Ou pas besoin étonné, ni ou pas besoin saisir des informations qui me parle beaucoup kounya là. D'après état-major ukrainien qui rapporte journal ça, journée 5 septembre 2022, nous gagnons la Russie qui lance 40 missiles, 25 frappes aériennes dans le pays Ukraine dans 24 heures de temps seulement. D'après ça, état-major ukrainien rapporté, même journée ça, il fait qu'on est que force ukrainienne t'a repoussé un paquet attaque russe près de 9 colonies et qui t'a repoussé force russe surtout dans un paquet position dans l'oblast dans Donetsk. Le ministère russe de la défense destruction de Kijé et un paquet dépôt d'armes et un paquet munitions et surtout élimination de un paquet dizaine garçons armés ukrainiens. Dossier guerre dans pays Ukraine pas facile dans le moment actuel pour soldats ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demandé avec soldats yo bien troupes ukrainiens pour capable intensifier déploiement yo pour capable prendre Kherson. Eh bien nous gain l'armée ukrainienne dans tout qui déclarait que bon côté pa yo gain en pile zone voisinage que on prend déjà. Mais central Kherson nan, c'est là chaque fois soldats ukrainiens yo essayé entrer bab bon menti, c'est tombé soldat ap tombé kou grain la pli. Comment nous y est ça qu'a fait nos pam c'est route Haitian et c'est toujours un grand plaisir pour capable retrouver avec vidéo ça. Prend vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes Facebook avec WhatsApp, une façon pour plus monde capable rester connecté et informé. C'est un grand plaisir pour moi chaque fois moi ou même qui remet travail ça ou qui te un like sous vidéo ça ou partagez dans plusieurs groupes. Et puis ou abonner si toutefois pas que j'aime abonner fais ça kounya c'est unique façon ça yo que va montrer qu'on aime travailler ça pas oublier une salutation spéciale pour même qui toujours là avec ou des chaînes qui toujours à commenter positif dans commentaire dans espace commentaire nous remercions parce que ou même ou important pour travailler ça ou même qui dans pays d'Haïti tout qui c'est haïtien qui branché malgré gens ça y est ou toujours là ou fait plan pour garder vidéo yo nous remercions haïtien dans République Dominicaine Brésil Chili Canada, pays, les États-Unis, la France, Bahamas, Mexique, Mounsao qui toujours rete connecté avec ou des chaînes. Nous important pour travailler ça et m'a rappelé nous à chaque vidéo qui me fait. Merci en pile. Rete positif parce que là, c'est pas l'éprouvé. Ministère russe de la défense là, annoncé que l'armée de l'air russe et force missile et artillerie te la gagne un paquet de frappe de haute précision sur un paquet unité de force ukrainienne. Et détruit pendant dernier les yo un paquet groupe dans commandement et un paquet dépôt armes et munitions. C'est ça qui déclaré d'après Moscou. Dans un point de presse qui fait journée 5 septembre 2022, nous avons porte-parole ministère, général Igor Konachenkov, qui fait connaître que à la suite de un paquet hostilité qui était gagné pendant dernier jour ça yo, force russe là t'a détruit un chat 7 machines de combat d'infanterie, 8 lots blindés et 9 camionnettes dotées d'un paquet mitrailleuse lourde en direction de l'axe Nikolaev Krivoy Rog et éliminé plus que 220 soldats ukrainiens après que force ukrainienne a essayé de prendre pied dans un paquet de section dans direction ça. Est-ce qu'on t'en décausé en pile machine, en pile chakrasé et pas oublier 220 soldats ukrainiens guettant soit après Jésus là ou bien après Satan dans le moment actuel. Konachenkov indique que aviation opérationnelle tactique là, la meilleure et force missile et artillerie russe te continue bombarder un paquet installation militaire sur un paquet territoire dans le pays Ukraine. Côté un point de déploiement temporaire dans l'organisation extrémiste nazi Kraken te détruit avec un paquet de frappes de haute précision. Près ville de Kharkov, et plus que 30 garçons dans la mesa et 10 machines spéciales éliminées. Konachenkov ajouté que le système de défense anti-aérienne russe te descend 5 drones. Côté une drone, c'est un Bayraktar TB2 de fabrication turque dans la région de Kharkov. Est-ce qu'on tende ça qui a passé dans le moment actuel dans le pays Ukraine? Moi-même, question m'a posé, est-ce que Volodymyr Zelensky
pas fait appel avec une entente pour capable mettre fin dans guerre ça. Pas oublier Kherson dans moment actuel sorti 28 29 août pour arriver jeudi qui c'est 5 là là, y a un paquet de soldats tombés. Bon côté soldats ukrainiens yo, des soldats russes qui tombaient tout. Mais ça qui tombé bon côté soldats ukrainiens yo ou bien Ukraine c'est tête chargée ces bagarre qui va être fait mal. Pas oublier pays les États-Unis avec un paquet de pays membres fournit zam by Ukraine. Gen an pile moun ka pose question. Malgré tout kòb sa yo, malgré tout zam sa yo, pou ki sa peyi yo pa fè yon entente avec de peyi sa yo pou kapab jwenn yon consensus, yon fason pou peyi yo kapab antann yo. Dossier gen nan peyi Ukraine nan li komanse depase men moun ki ap suiv gen sa. Pou m ta di ou, soldats kap tombe chaque jour. Nan moment actuel, yon paquet soldats ukrainiens ap tombe kou gren la pli nan pays Ukraine. Pour rappel, état-major ukrainien yon di, la Russie lance 40 missiles, 25 frappes aériennes sous Ukraine nan yon journée. Est-ce qu'on t'en décause? Nan 24 heures de temps, 65 frappes missiles. Bagayo en pile dans pays Ukraine. En tous les cas, ou même qui toujours été connecté avec ou des chaînes, nous pas là pour nous diffamer. Nous pas là pour nous voyer pour nous dire ça pi bon ou bien ça pas bon, ça pas bon. Nous là pour nous bon information Jean Lia. Mais dans bon information ça, gè des informations dans bon, nous même nous pouko jamais ka comprendre pour qui ça gè ça pas ko ka fini là. On bagay ki simple, yo entente, yo chita parler pour capable mettre fin dans gè ça parce que guerre ça li pas bon pour pays Ukraine ni pour la Russie ni pour monde là. Pas oublier pays les États-Unis en dans tout dossier ça. Soit à vos examens, soit à bailler l'argent pour financer guerre. C'est ton plaisir. Pas oublier rester connecté tout de suite pour la plus belle vidéo.